Alors, bah, tout ce qu'on a dit actuellement, les pasteurs, Mingi, soka a yebi versé mi balé mi sato, à quoi ça l'église? Pasteur, tout refond là, y a bien son connu, mais les gars, mon zambé, ça les gabloté. Tout le monde peut exemple à Mingi, ils appellent moi Mawa. Surtout pour nous, les Congolais, beaucoup de frères que nous connaissions, ou alors tant aux autres avions, nous savons que le frère arrive. Nous savons que c'est un frère. Mais l'air à côté d'un avion, Nakati avion a commis pasteur. L'air à côté d'un douane a commis prophète. Oui, commis carané, d'autolobana, tongo. Mais aux évangéliser n'a pas quoi, au sein de l'église, nous avons changé. Nous allons sous le pasteur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon côté Bozali. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait ce privilège de recevoir un homme de Dieu que j'estime beaucoup, mais qui va se présenter. À vous la parole, pasteur. Amen. Amen. Avant de me présenter, je voudrais bénir le roi des rois. Amen. Celui-là qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui-là qui fait et la chose se voit. Alléluia. Je bénis Jésus-Christ de Nazareth, celui qui permet, qui nous permet à tous de nous retrouver ce soir. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, Dieu de puissance. Béni sois-tu, Dieu de magnificence. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes frères et sœurs, bonsoir. Pour la première fois à Paris, Hollywood chrétienne qui existe déjà à Londres vous est présentée par la sœur Chantal Hello. Et à Londres, elle est présentée par notre frère Steve Mbanza. Et pour la première fois à Paris, j'ai un privilège, un honneur de recevoir un homme de Dieu que j'estime beaucoup et je préfère qu'il se présente lui-même. Shalom. Shalom. Avant de me présenter, je voudrais bénir le roi de rois, celui qui a permis que cette occasion soit. Amen. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Nous te disons merci pour cette occasion. Nous te mettons à la place très haut. Dans cette interview, sois-en le maître, le guide, et que quand nous la chair se taise, que seul le Saint-Esprit soit maître, le guide. Nous te disons merci, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je réponds au nom de Papy Lelo. Voilà. Pasteur. Ah, pasteur de l'église, l'épouse du Seigneur à Paris, évangéliste de par ma vocation, mais pasteur maintenant que Dieu a ordonné l'établissement de l'église. Voilà, c'est notre frère, notre pasteur, pasteur Papy Lelo, que Dieu nous a fait grâce de recevoir dans ce plateau ce soir. Et vous avez bien entendu, c'est le pasteur de l'église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, nous sommes vraiment ravis et contents de vous recevoir. Et nous voulons savoir, maintenant que vous êtes déjà pasteur, dans quelle année, quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie? Quand et comment ça s'est passé? Oui, c'est... Il y a belle lurette quand même. C'est en 1981 et j'avais 19 ans. C'était à deux semaines, je m'en rappellerai toujours, à deux semaines de la rentrée académique. Juste avant la rentrée académique, mon propre frère, qui était aussi évangéliste, qui se repose maintenant auprès de l'Éternel, Fataki Lelo, c'est lui qui m'a prêché. Et cela se passa un soir. Et c'était tard la nuit. Bien que, avant ce jour-là, il avait déjà commencé à me prêcher, il avait déjà commencé le travail, mais cela ne rentrait pas. Cela ne prenait pas place dans le cœur. Mais ce jour-là, c'était le jour J. C'était
C'était le moment voulu. Amen. Et il m'a prêché et Dieu a agi. Je me rappelle que je n'ai pas voulu dormir de cette nuit-là. Wow. Et jusqu'à vers les 2h du matin, il a dit, bon, on va se coucher. On en a fait assez. Moi, j'ai dit non, on continue. Si on se couche, que le Seigneur vient pendant la nuit, je risque de rater. Il faut qu'on continue jusqu'à ce que j'ai le baptême et tout ça, donc sans arrêt. Voilà, c'est parti comme ça. J'avais 19 ans, donc je suis rentré à l'université avec la conduite du Saint-Esprit. Et cela fait maintenant 32 ans que ça dure par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et voilà, c'est depuis qu'il avait l'âge de 19 ans qu'il avait reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Et ce que je voulais vous dire aussi, mes bien-aimés, Hollywood, comme Congo-Wood, comme le monde, et Malanzambe, site Nabino Yangoyo, site Yenu, site Yenu, yake site Nabenu, site Wenu Nyeyeu. Excusez-moi, je ne suis pas Moulouba, mais... Mais c'est ça, on est tous des Congolais. Bon, revenons à nos moutons, voilà. Et pasteur, bon, comme c'est site Hollywood, Congo, on va aussi parler en Lingala. Vous avez dit que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Et pouvez-vous nous dire, l'épouse du Seigneur, qu'est-ce qui vous a inspiré à donner ce nom-là? Voilà, dans mon ministère, j'ai dit tout à l'heure, j'ai un ministère évangélique. Au départ, mon travail pour l'Éternel, c'était d'aller annoncer le message. Dieu m'a utilisé pendant longtemps juste pour aller déposer le message quelque part. J'allais, je recevais le message, j'appelais soit le pasteur de l'église concernée, soit j'allais en visite à cette église, voir comment les frères dans cette église, et Dieu lui-même parlait au pasteur, et dès que j'arrivais, le pasteur me passait le micro, et j'annonçais le « Ainsi dit l'Éternel » pour eux. Amen. Amen. Mais cela a duré longtemps. Mais avant cela, je peux vous dire qu'avant de venir en Europe, Dieu a permis, au moins pendant 2 ans, que je sois berger de l'église au Congo. Donc vraiment, tout a commencé au Congo. J'arriverai à la question que vous m'avez posée, mais tout a commencé au Congo. Pendant au moins 2 ans, il y a une cellule de notre église de Mbinza qui s'est ouverte vu l'empressement, le zèle que j'avais vers le Seigneur, les hommes de Dieu, m'ont mis en place pour gérer, pour encadrer l'église. Je n'étais pas le pasteur, j'étais seulement le berger de l'église. Amen. Amen. Et arrivé en Europe, dans ce pays où il y a des hauts et des bas, malgré les bas, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et nous avons commencé, malgré les messages que je donne aux différentes églises, nous avons commencé une cellule de prière avec les membres de famille. Nous prions tout le mardi entre nous pour prier pour les autres, prier pour les problèmes que nous avions connaissance, prier pour tous les sujets qui se présentent. Nous faisions l'intercession et nous rendions grâce à Dieu tout le mardi. Et l'année dernière, ou à la fin de l'année d'avant, je crois, il y a eu une prophétie pendant qu'on priait. Et la prophétie disait, le 15 ou le 14 septembre, je ne sais plus, non, le 12 septembre, j'annoncerai quelque chose. Et quand la prophétie était sortie, moi, je n'avais pas encore le message. Alléluia. Amen. Et ensuite, pendant qu'on attendait le 12 septembre, Dieu m'a visité. C'est alors qu'il m'a parlé. Maintenant, c'est le moment d'établir
l'église. Et c'est là qu'il m'a parlé du nom de l'église, l'épouse du Seigneur. Là, il m'a dit ceci. Je vais vous apprendre maintenant à devenir des véritables épouses du Seigneur. Alors moi, je posais la question au Seigneur, depuis le temps que je te sers, je n'étais pas encore ta véritable épouse. Et le Seigneur me dit, maintenant je veux vous apprendre. Et là, ça me ramène à l'histoire quand il dit à Pierre, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, toi, affermis les frères. C'est là que j'ai compris. Mais Pierre venait de passer 3 ans à côté de Dieu. 3 ans. Il mangeait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dormait avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'était pas converti. À la veille du départ du Seigneur, le Seigneur de lui dire, quand tu seras converti. Donc Pierre ne l'était pas. Alors là, quand Dieu m'a dit, je vais vous apprendre maintenant à devenir des véritables épouses. Oh, vraiment, c'était trop fort. C'est tellement profond, mes bien-aimés. Amen. Devenir épouse du Seigneur. Vous venez d'entendre que Pierre, Azala qui peut bénir Yeshua, Tambola qui na Yeshua. Donc, il y a un long chemin. Et pour cela, je vous invite une petite pause à écouter notre frère que nous aimons tellement, Steve Mbanza, avec la chanson du mariage. Pourquoi le mariage? Parce que aussi, c'est un synonyme d'épouser. Donc, c'est pourquoi nous allons écouter la chanson Mariage. Voilà. On
balé. La mathématicien batali va comprendre. Si va s'allendambe va comprendre. Poesa lili kambo ya moli mweye. Poesa lili kambo ya moli mweye ma. Poesa lili kambo ya moli mweye baya ma. Thank you.
J'aimerais quand même que vous puissiez approfondir s'il y a un verset biblique qui est lié à ce que vous venez de me dire, le pouce du Seigneur, la référence un peu dans la Bible. Amen. À la question de la servante de Dieu, la vision, Nazwakiango na livre, la vision que Dieu m'a donnée sous le nom de l'Église, l'épouse du Seigneur, se trouve dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis la parole de Dieu, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Alléluia. Amen. Dieu de toute la terre. Et vision oyo nazwa yango epa ya mama nangai. Oui, mama Tabitha. Mama Tabitha, c'est comment ma maman, mon encadreur spirituel. Mama, salut mama Tabitha. Amen. Nzamba pambo la maman anesikazali. Maman na nzamba utilisaye dans ma vie d'une manière extraordinaire pour na musala nanga na nzambe. Maman, biloko eza kozanga nanga na musala na nzambe. Na tambola na basai na nzambe bele me kaka na mama wana ndi nzamba lobaka eloko ezangi pona mwana oyo sala yango. Amen. 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 Et jour moko on était en train de parler et directement azui prophétie. Alors mais mon fils ouvre le téléphone hein. C'était au téléphone parce qu'avant to kutana bo on s'est parlé longtemps au téléphone avant to monana. Et puis na Norbert est venu lui solo. La première fois que j'ai mis pied à annoncer ce qui s'est passé, c'est l'église, la victoire des dieux que dirige Maman Tabitha se trouve à Nancy. Bien que je suis en Paris, mais j'ai toujours considéré ma maison spirituelle, Ndakunanga, Ezali, la victoire des dieux à Nancy. Amen. 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 C'est pour cela, tant que nous sommes avant. Zambé a établi à l'Obaki à partir de maintenant au Salamoussala à Paris. J'allais tout le temps annoncer. Si on a tiré un message à droite et à gauche, après, on a quelques ressources à Nancy. Amen. Amen. Et quand je suis allé pour la première fois à Nancy, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Avant Nazoatrin, je me rappelle, c'était la veille, j'étais invité par une voisine, l'église qui est de nationalité ivoirienne, l'église Nabango. Arrivé là-bas, ils m'ont proposé de prêcher. C'était une veillée. Non, c'était un mardi soir, une heure de prière. Ils m'ont invité à prêcher le vendredi, na veillée Nabango. Donc, na keipe veillée, j'ai prêché la parole de Dieu. Et quand je suis sorti de la veillée, je me suis dit, il faut na kene Nancy. Je ne savais même pas pourquoi. Nabi na bengi mama nabi na zoya. Alobi pe yaka papa on t'attend. Mais avant la zoa train, na moni na vision, Nancy, na moni mama nanda kunaye. Na komina nukunate. Na komina Nancy, ba yambinga bien, toke pe n'église, ba pe singa pe parole, voilà, le kika nenge le kaka bien wana, ba yambinga vraiment très très bien. Si quand tu zongi pa ya prophétesse nanda kunaye, tu zo zela leur nanga ya train et coca. Tu fandi tu zo solo. Et tu gali à peu près une heure à peu près train heure de départ à train na porte va sonner. Comme on a pasteur à côté. Mutu musu sa sonné, évangéliste à côté. Musu musu a sonné, ancien côté. Donc tous les membres staff nyonso Église à Nancy, place Bazala qui va y avoir Bango, Namoli Momosan, tout beau qu'il est Kuna. Si vous maman l'air à Moni Bango Moko Moko à Banyo Kota, soit Moni Maman comme ça là-bas, pas à ce qu'il y a dans zone, à ce tamboussa, et là en train de dialoguer avec Dieu. Et Dieu ordonna ce jour-là, il faut bah, prier pour moi, maman a prié pour moi à Tchangamabo. Et pendant qu'on priait pour moi, l'heure du train est arrivée. Tu démarrais quand même voiture. Ngaï, maman, t'habites na mobile naï, bisomisa. Mais l'heure de train était déjà arrivée.
Tokominaga, le Seigneur que nous prions, il est grand. Amen. Tokominaga, très exaucé l'abissou. Balobi, très en pâle. Nachaka, le colonna, très. Panisili. Alléluia. Voilà. Amen. Oh là là. Voilà, vraiment, c'est... nous sommes bénis ce soir. Oh là 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 là, quel parcours. Oh, que Dieu soit béni. Maman Tabitha, vous êtes bénie aussi. Amen. Avec d'autres pasteurs que je n'ai pas entendu le nom, mais vous êtes tous bénis. Amen. C'est vraiment une grâce. Et nos pasteurs, nous avons tout dans la vie. Si vous avez un parcours, vous avez l'amour qui est comme vous avez dit, vous avez dit, vous actuellement. Mingi baza soi bayebi quelques versets bibliques ou basali théologie. Je ne suis pas contre la théologie, mais la mona ki nangate basali nzambe na Bible. Peut-être soki na yebi mingi te, mais le peu que je connais la mona te. Alors, ma bonjour ozaki kosala nzambe, mais basali nzambe basangani babi nzambe ala kisibiso. Nzambe ale karaka ala nzela ya bato. Amen. Alors nzamba estize basali naye po yo pe opusa na suna mosala. Alors batu sikoyo ni tozomona actuellement le ba pasteur mingi soka ayebi verset li bale misato akosa l'église. Bongo ngane naye bana no pasteur ba kombo e komi mingi. Bishop, archibishop, eh soki nani so ina ba msoto ba komo naye ba sote. Ko yebsanga muke po na kanisi. Peut-être que c'est hiérarchique, moi, c'est hiérarchique, il faut tel nom pour que tu te dises, ton dengenin. Je vais te dire à nos papas, papa pasteur. Alléluia. Amen. Je vais commencer par mon exemple. Ne t'inquiète pas, je suis à ma place. J'ai dit, je suis dans ma 32e année. Amen. Pour le service de l'Éternel. Malgré les hauts et les bas, mais 32 ans que la main de Dieu est sur moi. Et pendant tout ce temps-là, j'ai compris une chose. Il faut ça la makaka tant aux ambalobi. L'élopo, l'épouse du Seigneur, est comme à église. Il y a quelques années, déjà tout le monde qui prêche la parole de Dieu, pasteur. Pasteur, tout au fond là, il y a bisoum koni. Mais les camounans zambés à l'igabloté. Ce que nous avons commencé, l'épouse du Seigneur, c'est une prophétie qui date de plus de 20 ans. Alléluia. Amen. Plus de 20 ans. Moussa na zamba, teneme bin zamba, lobi na ngapo na yo. Okozala moussa li na zambé. Nasina yape potoa, basali na zambé, bazo sambe na nakisasa. Bazui prophétie ba lakisi bango musala nenge ko telema na poto ba bengi ngai mena ke nenge mbangu te j'ai attendu. Alléluia. Comme quoi laisser le temps au temps. Faut laisser le temps au temps. Pokoma na musala na nzambe banda l'église se forme sur le ministère, les cinq ministères. Se fonde plutôt sur les cinq ministères. Je vais prendre mon exemple pour na monango véridique. Pourquoi? Parce que Nzamba Tchanga dans mon parcours, plusieurs années, d'abord avec un apôtre, plusieurs années après un déplacé, Ngatango y apôtre Koki, Sikoko comme un prophète. Plusieurs années, Longolinga un prophète à Meminga d'évangéliste. Plusieurs années, Longolinga l'évangéliste à Meminga un docteur. Plusieurs années, Longolinga un docteur à Meminga un pasteur. Maintenant, puisque tu as appris. Tu as un peu de tous ces gens-là. Maintenant, l'œuvre peut commencer. Et ce que tu dis est une réalité que nous vivons maintenant. Je ne peux pas dire du mal de celui-là. Je n'ai pas la prétention de savoir ou de dire que Oyoana Saliboué, est-ce qu'il est dans le vrai ou dans le faux. Tout ce que je peux dire, cela doit venir de Dieu. Cela n'est pas par rapport à la lettre. Mais c'est par rapport à l'esprit. Comme vous venez de le dire, Mingi, Atangi, moi, passage biblique, tout le monde peut exemple à Mingi, ils appellent moi Mawa, surtout pour nous, les Congolais. Beaucoup de frères que nous connaissions, ou alors, tant que nous savons que le frère arrive,
nous savons que c'est un frère. Mais l'air à côté un avion, nakati avion a commis pasteur. L'air à côté na douane a commis prophète. L'air à côté un ndaku, a commis comment installé église et bali donc et qui na vitesse moko. Si c'est la volonté de Dieu, je bénis l'Éternel. Voilà. Mais c'est que moi, je sais. Dieu forme d'abord la personne. Si cela m'a pris 32 ans, donc je peux dire 31 ans de Alubi Moussa Lebad, puisque voilà. C'était l'année passée. Alors je me suis toujours posé la question. Et là, j'ai compris pourquoi les grands, entre guillemets, pasteurs que nous connaissons tous, les grandes églises où Dieu m'avait mis à travailler, quand eux me proposaient de devenir le pasteur principal de leur église, c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu me disait à chaque fois non. C'était pas encore le temps. Amen. Parce que nakoura ina ngoloba église à 300 personnes, pasteur à lobi, yo comme anayo et ni ni responsable nga na voyage nga ou na zalaka, je n'habite pas ce pays. Tu restes parce que pourquoi Nafanéwate? Pourquoi? Parce que il faut toujours entendre Dieu. Si tu n'as pas l'oreille attentive, l'oreille tout entière tournée vers l'Éternel, aux yeux qu'alors ainsi dit l'Éternel. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il faut esprit en Nzambe, mutez alors la carte ya mutu, peut permettre que Nzamba permettre ba ouindre mutu pour apporter la parole. Mais oye komi karane toto lobana tongo, mais oso évangéliser na pokwa au sein l'église na lomulo au changer nos disons nos sous, osons sous le pasteur te au komi na au métier prophète yo moko la porte na pokwa komi. Apôtre Nabutu au Kominao, Sudnani, Sogi Bishop, et Matisu Archi, et Zokendeka, tu invites ce Tosukawa, bon, Zambeka Mutaebi. Voici Nazakisuna Mutuna Moussusuya. Et sans, voilà. sans vous couper, il y a une deuxième partie, il y a une hiérarchie, voilà, j'ai failli oublier. Logiquement, bon, bah titre, comment je peux dire ça? Moi, je dis toujours, je suis évangéliste parce que depuis des années aussi, mes messages, souris n'a pas toujours senti le message évangélique. Mais ngai moko na comprendre dans mon esprit que papa zome manga ne loko msusu, c'est-à-dire l'encadrement. Or, dans l'encadrement, il y a beaucoup d'enseignements. Comme je disais l'autre fois, je me retrouve maintenant avec des enseignements et logo penza nakala n'était pas vraiment moi, c'est comment je peux expliquer quand je venais annoncer le ainsi dit l'Éternel, c'était je lis une phrase, Dieu me donne un passage, j'annonce le passage et puis à bombarder yango passage wana mais si ko et comme mingi. Mais azo neti ko changer yo, pas ko changer mais abaki si. Mais si ko yo, je peux me prévaloir de dire que je suis pasteur parce que j'encadre les enfants de Dieu, je suis le berger. Et pour encadrer les enfants de Dieu, il faut les enseigner. Mais entre-temps sur la critique à message, je viens annoncer un message bien précis évangélique na Nasirisi, Nakagi Bible Nanga, Nakei. Mais là, j'ai des enfants que je dois enseigner matin, midi et soir. Donc, obligé faut, Nasala, bon enseignement. Et là, j'ai compris. Moi, pasteur, Motuna Moussouna Zaki Nangom, par rapport au Aprena qui est en France, notre soeur, pasteur de Mangembo, Mama Bea. Nzambe azwaki mwana na ye po ake kopema tokolo batelo kwa bapagano ke akufi makende kopema ske bozalaki na relation moko na ye en tant que collègue si on peut dire. Oui,
Que Dieu soit béni, lui qui a repris sa fille, maman Béa, c'était vraiment quelqu'un de très très proche. La preuve, pendant qu'il est tombé dans le coma, n'a tourné pastorale qu'on finissait ce jour-là, la veille à quoi na coma, on finissait la tournée pastorale sur Mechelen en Belgique. Amen. Amen. Et Dieu nous a parlé en disant Moutunayou Moko, très proche Nayo, Akuzala, très malade. Et c'était le matin, l'air a passé message Joana, yé akoué dans le coma vers en début d'après-midi. Et tant on a commis à Paris, moi nanaye moko tikeli nga message que maman zana coma et je suis allé vraiment la voir à l'hôpital où elle était allongée. J'ai prié pour elle, je lui ai tenu la main vraiment bon zamba salaki ndengeye moko alingelaki yé au moins ki kopé manaye dit au moins ki kopé manaye. Mais c'est une personne vraiment avec qui nous avons beaucoup travaillé. Je pense que depuis je ne sais plus, ouais, il y a 6 ans maintenant ou plus, je ne sais pas. Oui, 6 ans ou... Je ne sais plus très exactement, mais ça fait très longtemps. Depuis que Tokutanaki, par un hasard, Ayakina Matanga Moko, Izalaki à côté de chez moi, elle avait prêché. C'est là que sa fille, qui me connaît, nous a présenté. Et l'air Karato Sololaki... contact et les kaki malamoko, et c'est vraiment dans son église de son vivant je prêchais tout le temps. Maintenant même qu'elle est partie, Nazo continue d'aller fortifier les enfants de Dieu. Les deux dimanches qui viennent de passer, avant de prêcher chez nous, Nazala qui kuna na prêché bango, et ensuite l'église Mangembo na à la Courneuve. Alors, c'est l'église Mangembo et à Courneuve, maman Béatrice Saïla, la première femme de notre grand frère, l'ex-femme plutôt de notre grand frère Lita Bembo. Vraiment, c'était une maman extraordinaire, Boboto, vraiment. Et quand je l'ai vue sur le lit de l'hôpital, ah papa, namona sou maman na. C'était trop poignant. C'était vraiment mutoyebi. Il y a un zoto vraiment. Nzoto zelo komoko pamba. Tant que tu as la vie, bénis le roi de rois. Mais au moins il y a kekope manaye. Mais vraiment j'aime beaucoup cette église parce que la vision était forte. Cette vision que j'ai vue au travers de Mama Béa était vraiment puissante. Et vraiment. On était unis, très unis. Sokazana, sujet à prière, elle m'appelait, on se mettait en prière. Ce qui, vraiment, on était très unis. Et j'espère que ça va continuer avec les enfants qu'elle a laissés. Je pense déjà que ça continue, puisqu'ils m'ont invité les 2 dimanches de suite. Naoutiko prêché kuna. Voilà. Comme quoi, le banzam, besoin de savoir ce que nous avons tapé, ça a été mon cas. Et ça, quand tu es pagan, nous te baquons dans la banane, nous sommes pépan, nous sommes baquons dans la casse. Ce qui était, mais tous en Abraham, n'a pas élite, il est long parce que Bango, Bassal, Kinza, mais n'a pas dimension, ma casse. Oh, Babengi, Abraham, le père de la foi. Non, mais les loups, tous en a été invité sur le siècle, bonnet, un gars qui s'en va, mais nous sommes pas séparés qu'aux oies. Donc, il y a un peu de l'onde qu'on a mis sur Akei. Bambo, t'es mingi, une église. Mangembo de Londres, Paris et Kinshasa, Canada. Bah, j'ai eu le privilège à cause Alana na nini ya maman jour nini pastoral les alaka donc la monaki bato Londres ya Canada ya Kinshasa bayaka donc nzambe vraiment azana na bino na wo bozo passé. Bon, je bénis l'Éternel, vraiment, la Monique est au commis, na souka, mais avant tout, comme appelé na souka, souka pesa souka te, mais tokoyo kamungongo ya notre frère, encore une fois, Steve Mbanza, na nzembo ya pharisien. Bon, yé moko nenga lo baraba, pharisien batouté. Donc, tokoyo kama pharisien.
Yeah.
Pasteur, nous sommes arrivés presque à la fin. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose de particulier à nous dire, surtout par rapport à l'Église et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là? Tout simplement rappeler au peuple de Dieu que nous sommes arrivés au temps de la fin. Ce n'est plus quelque chose sur, comment dirais-je, on n'attend plus quelque chose qui va arriver les jours prochains. C'est quelque chose qui peut arriver tout de suite. C'est quelque chose qui peut arriver à l'instant même. Voilà. Tous les signes sont là. Mm-hmm. Que les enfants de Dieu se réveillent. Que les esprits soient éveillés. Mm-hmm. Amen. Amen. Et j'en profiterai pour donner, pour demander au peuple de Dieu. Il y a sur YouTube, sur Dailymotion, sur... Top Chrétien, voilà. Surtout YouTube, il suffit de taper Pasteur Papi Lelo, Papi avec Y, Lelo, et ensuite vous verrez les messages qui sont postés. Voilà, et ce sont des messages que Dieu nous donne pour la fortification et l'éclairage pour les enfants de Dieu. Ma prière pour terminer, je bénis tous ceux qui suivront cette interview et que le Seigneur puisse bénir celui-là qui a eu cette idée, notre frère Steve Mbanza. Que l'Éternel vous bénisse, servante de l'Éternel, puissions encore nous retrouver pour les jours prochains pour partager encore beaucoup plus que ce que nous avons pu faire aujourd'hui, et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Nous voici arrivés à la fin. Je demanderai au caméraman de passer la caméra vers la droite. Là, on voit bien le pasteur avec son épouse, Maman Maggie. Mes frères dans le Seigneur, mes frères et sœurs, Manekonara Katina Yesu. Bozomona numéro est affiché, numéro de contact est à Hollywood et bokozwa directement notre frère Steve Mbanza. Et par rapport à Inaïb Sabino Kaka du 6 au 8 décembre à Toulouse, est à une réunion, une grande réunion à ma maman, Bogota en affiche, mais c'est presque à la fin donc. Bon, mon ango kaka, prochainement, tu vas nous tirer comme ça, bah, bazali intéressé, bah, quoi, quoi, assister. Nzamba pambola bino. Bah, ça, moi, qui t'occupe, bah, ça, moi, bah, nan, zambé. Donc, tout ça, toujours, nabino. Vous pouvez soutenir, bisso, même par la prière. Nzamba pambola bino, tokutani, mbalasima. À la prochaine, bye!
Kala, 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 kala